Oui, mais le chat, qu'est-ce qu'il y a? Cohésive. Ah ouais, c'était chaud. Mon stream est très cohésif. Bah ouais, mon stream est cohésif, c'est sûr, mais... Désolé, j'amuse mon chat, en même temps je vous amuse. Hein. Faut que je dois tout faire dans cette maison. Je dois amuser le chat, je dois vous amuser vous, je dois tout faire. Hein. Brest a perdu, je sais, Brest a perdu ce week-end. 4 ans, écoute. C'est comme ça. On peut pas tout le temps gagner. On ne peut pas tout le temps gagner. C'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est terrible. T'amuses le chat et le chat, c'est ça exactement. Le doigt rond, la fraude. Ah, ça commence à être dur, le doigt rond. Ah, bah oui, Brest a perdu, quoi. Rennes, meilleur club de Bretagne. Meilleur club de Bretagne, là, c'est bon, on a compris. Excusez-nous, les riches. Hein. Les riches de Rennes, là. Qui ont dépensé 80 millions d'euros. J'espère que vous avez. J'espère que oui, vous êtes bien, quand même. Le club qui a le plus dépensé sur le marché des transferts cet été, là. Oui, je le seum, et alors? Et alors? Mais revendu pour 60 millions. Jaloux? Non. Non, je suis pas jaloux, non. Je crois pas, non. Un club qui marche bien en Bretagne, avec des mecs qui peuvent jouer peut-être... Avec un club breton qui joue l'Europe. Non, je suis pas jaloux, non. Maintenant, je crois pas, non. Il n'y a pas de quoi être jaloux. Hein. Un club breton qui joue l'Europe avec des moyens et des joueurs intéressants. Je vois pas pourquoi je serais jaloux. Et un investisseur qui... Et un investisseur qui... Qui ramène de l'oseille, bah je... Pas vraiment de quoi être jaloux en vrai. Hein. Pas vraiment de quoi être jaloux. Hein. Est-ce que j'ai l'air d'être jaloux? Je... Non. Non, je suis pas jaloux, non. Non, non, faudrait vraiment être bête pour être jaloux, quoi. Ouais, j'ai le seum, bah un peu. Un peu, un peu, un peu, un peu, c'est... Comprenez-moi, comprenez-moi, c'est... Un peu. On a quand même tapé l'OM chez eux. Allez, oui, oui, bien sûr, évidemment. Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Évidemment qu'on a tapé l'OM à l'aller, bien sûr. Manquerait plus que ça. Voilà. T'inquiète, la Ligue des Champions, enfin, s'il te plaît, ça arrive. Pouah, le jour où on aura un investisseur à Brest incroyable qui nous mettra de la thune. Comme jamais, c'est pas tout de suite. Hein. On va attendre encore un petit peu, je pense. Au prix du blé, vous pourriez revendre le stade. Oh, j'ai la référence. On a l'équipe qu'on mérite. Bah oui, après. On a l'équipe qu'on mérite. Ouais, mais bon, ça viendra, ça viendra, ça viendra. Nous, moi je vous le dis, hein. On a l'équipe qu'on mérite. Comment est-ce qu'on... Nous, notre salut, tout, on est en mode, ah, peut-être qu'un jour Bolloré rachètera le club. Hein. Bolloré qui est du coin, peut-être qu'un jour il se chauffera à racheter Brest et à mettre des milliards dans le club, des millions dans le club. Mais bon, est-ce qu'on aimerait avoir un club dirigé par Bolloré? Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais bon, il y a de la thune, hein. Il y a de la thune. Hein. C'est une autre affaire. Bon, messieurs, dames. Du coup, après le petit échauffement sur Tusmo, on va passer... On passe sur Fall Guys, puisque ce soir, 21h, il y a un entraînement, un scrim Fall Guys. Donc, les scrims, c'est des matchs d'entraînement, si vous voulez. C'est des matchs d'entraînement et donc bah, ça va être intéressant parce que du coup on a pas mal joué à Fall Guys la semaine dernière, on a fait de belles sessions et donc le but c'est un petit peu de voir on va dire comment est-ce que nos progrès peuvent se confirmer ou s'infirmer justement dans un lobby qui sera un peu plus élevé en termes de niveau parce que le niveau est pas trop élevé en général en multi, il faut essayer de tester avec des lobbies soit de spectateurs, de viewers, soit de comme ça d'entraînement. Donc c'est cool parce que ce sera avec les joueurs de la Zilan et ça permettra de s'essayer un petit peu au niveau Zilan quoi, donc c'est cool. Donc voilà. Reste avec des riches, ça perdrait sa splendeur je trouve, faut que prendre des bons jeunes du coin, pas des mecs qui s'en branlent. Et après, rien n'empêche de construire un club avec aussi des moyens pour la formation et tout, tu vois. Mais évidemment, c'est sûr que le club, c'est sûr que le Brest a besoin d'un petit peu de... Moi, de toute façon, Brest, tant que Brest est en Ligue 1, Ligue 2, enfin, tu vois, c'est un club comme ça, tu vois. Mais c'est vrai qu'il faudrait du temps, un investissement sur le long terme pour que le club devienne compétitif et aille chercher l'Europe, quoi. Donc, bon, c'est... Ça dépend ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faudrait un mec du coin, un millionnaire du coin, quoi. Ça, il faudrait peut-être que si un jour on devient millionnaire, on rachète le club et puis voilà. On fait fortune dans les cryptos, je sais pas, j'en sais rien. On fait un truc comme ça quoi. On devient. Ouais, voilà, c'est dans les cryptos. Je vais faire.
Après, on peut toujours aller chercher une petite Coupe de France, c'est vrai. Une petite Pecou. Ça ferait pas de mal. Si tu top 1 ici, Brest gagne la Ligue des Champions d'ici 5 ans. Ok. La pression un peu, mais tranquille, y'a rien. Oh, putain, mais il y a des... Oh là, il y a des trous partout, c'est insupportable. Oh là là, là ça va tomber vite, hein, je vous le dis tout de suite. Oh là là, mais comment veux-tu? Comment veux-tu? Comment veux-tu? Oh la chatte que j'ai eue. J'ai pas bougé, heureusement. Il reste 14 secondes, c'est chaud. Putain, il est dur ce niveau. Hein. Il est super dur ce niveau avec les trous au milieu là, c'est l'enfer. Hein. Le nombre d'éliminés qu'il y a dû avoir, c'est... Bah oui, c'est pas étonnant, on est plus que 600 lisses, ouais. C'est pas très étonnant, ouais. Le niveau était tellement tendu. Putain, du coup, c'est final, là. Du coup, c'est final direct. C'est final direct. Alors, peut-être. Ah, buzzer, mais non. Les massacres... Mais quoi? Comment se fait-ce? Je comprends pas comment c'est... Ok. C'est pas une finale, du coup, ça. Top 1 qui se profile, non mais attendez, là c'est le bouton et tout, je suis trop nul à ça. Putain. Il comprend pas. Je le malmène un peu là quand même, miskin. Bien joué, il a mis ma grappe pour essayer de revenir, bien vu. Oh, c'est une masterclass. Oh, c'est une masterclass pour le joueur français. Et du coup, c'était pas une finale, quoi. Je m'assois tellement, c'est trop. C'est une boucherie. C'était une boucherie. Oh, on l'a lavé. On l'a démoli. On l'a démoli. Et du coup là on est plus que 3 en lice pour une finale. J'ai jamais vu une finale à 3. J'ai jamais vu de finale à 3. Putain. Alors peut-être. Alors peut-être. Ça va être quoi du coup une finale à 3? Oh putain, la grimpette. Ok, let's go. Oh la grimpette, on peut le faire. Hein. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fait, hein. Ils peuvent être très rapides et tout, et... Ok. Ok. Oh,
dur. Oh, il a été poussé par le truc. Oh non, il va y aller. J'ai pas réussi à le choper, putain. On remonte vite. Oh, j'ai choqué. Oui, le top 1, il le fait, le joueur français. Et il le fait. Le moins nul des nuls. Le moins nul des nuls, le joueur français. Il est exceptionnel. Le top 1, le premier top 1 sur Fall Guys. La Ligue des Champions pour Brest. La Ligue des Champions pour Brest. Putain, on l'a fait, messieurs, dames. Incroyable. C'est incroyable. Merci beaucoup, Dixie. Merci pour le Prime. Punaise, un top 1 sur Fall Guys, ça faisait longtemps. Hein. Plus belle de la Ninon, Fanny de Carsozon, m'offrit un pompon de fantaisie. C'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots en face du dépôt. Et quand je pense à mes désirs, je préfère m'étourdir que de me souvenir. À Fanny de recouvrance, j'aimais tes yeux malins, dans ton geste plein d'élégance. Ah ouais. Incroyable. Fanny Daninon, bien sûr. Oh là, ça régale, ça régale. C'est ta première pour aujourd'hui, c'est ma première game, ouais, tout à fait. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Merci beaucoup, Dixie, merci pour le 10e mois d'abonnement. Nous sommes le teaser. Est-ce que je l'ai encore celui-là? Mais oui, je crois dans la bonne. Bien sûr, je l'ai. Comme ça. On est juste hein, quand même là. Hein. Oh, quelle galère ce truc à chaque fois. Ça me débecte. Ouf, incroyable. J'allais dire porté par les supporters et ce fut la chute, ouais, c'est ça exactement. Oh, on est que 11 qualifiés sur 17, mais attends, mais c'est pas possible. Tous les gens éliminés là. On était 40 en lice à la base. Et on est plus que 11. Oh la dingue. Incroyable.
En vrai, il y a un moment derrière qui tient un mètre, c'était trop, t'as trop progressé. Non, non, mais j'ai juste joué une fois, enfin, on avait une grosse session, quoi. Pas sauter dans le ventilo. Ouais, faut pas sauter, ouais. Et là, on a quoi, du coup? Ah, punaise. Oh, et d'hexagone infernal. Aïe, 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 aïe. Hexagone infernal, je n'ai jamais gagné hexagone infernal. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Non, mais après, là, c'est trop, là. C'est-à-dire qu'on fait deux manches et on est directement en finale à chaque fois, c'est... Ça va, 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 ça va. Salut Calypso, comment ça va? Welcome, welcome on stream. Allez, let's go. Peut-être un top 1, sait-on jamais. Pas de panique. Oh là là, si panique. Là, il y a panique un peu plus. On est le plus en bas de tous. Non, mais qu'est-ce que je fais? Je bloque sur des trucs de merde. Bâtard. Putain, il m'a repris devant, c'est insupportable. C'est mon cauchemar ce niveau, je déteste ce niveau. Oh là là, en plus il y avait moyen de fou, il y avait moyen de fou. Oh là là, je tombe tellement vite en même temps. Ah là là, dommage. Ah, je suis tellement mauvais sur ce niveau, c'est grave. Hein. Je tombe cinquième là. Aïe aïe aïe, salut docteur, super docteur Calu, comment ça va? Après le trailer d'Elden Ring et Fall Guys paraît tout chill et facile à côté. Non mais bien sûr, évidemment que c'est plus facile. Bah c'est sûr que c'est pas le même mindset quoi. C'est sûr que c'est pas tout à fait le même délire. Mais d'ailleurs, je rappelle, on avait fait 12 minutes 40... 12 minutes et quelques là... À Elden Ring. Et franchement, il y a des mecs qui sont à 4 minutes. J'ai essayé de jouer un peu en off, voir trouver des tactiques, etc. pour gagner un peu de temps encore. Mais c'est compliqué. Et les top joueurs stream très très peu leur run. C'est un peu dommage d'ailleurs. Parce que les top streamers ne stream pas leur run Elden Ring. Ce que je peux comprendre, mais bon. Je comprends quand t'as absolument envie de gagner la Zilan. Voilà, tu stream pas et tu donnes pas les infos. Mais t'es en mode, bon... ouais, c'est un peu... C'est un peu frustrant. Tu dis, putain, on peut pas prendre des petits tips à gauche à droite, quoi. Mais bon, après, bon... On n'est pas là pour les mêmes objectifs et je le comprends bien, quoi. C'est vrai que moi, de mon côté, je suis juste en mode « Go, je vais tout streamer !» Et du coup, bah forcément, voilà. Mais j'ai vu qu'il y avait déjà des équipes qui étaient parties en bootcamp. Donc en bootcamp, c'est en session d'entraînement, en gros, dans un même endroit, tous ensemble, les uns à côté des autres. J'ai vu Glyph, notamment, était déjà parti en bootcamp chez Gamers Origins, par exemple, donc une structure française. Et je suis en mode « Ah oui, il y en a qui rigolent pas. » Genre, 3 semaines avant la LAN, il y en a qui sont déjà en train d'aller bootcamp. Je suis en mode « Ok. Ok. » Elorif sur Elden Ring, les meilleurs runs que j'ai vus jouent mode parade avec bouclier pour mettre un maximum de DPS en peu de temps. Ouais ouais je sais, mais c'est tellement dur, j'ai essayé aussi de faire de la parade. En gros il faut apprendre la parade en mode perfect pour réussir, mais c'est tellement dur. C'est tellement dur de faire full parade parfaite, c'est... Allez. Putain, c'est de l'enfer ça. Hein. Oh bah tiens. Donc mais j'ai essayé hein, mais c'est très très dur quoi. Pour ne rien vous cacher. Et j'ai essayé de faire des parades parfaites, j'arrive à en faire une de temps en temps, mais impossible de réguler les parades parfaites, quoi. Genre, c'est tellement compliqué. Oh, cata. C'est pas grave, je suis parti du mauvais côté.
No pressure, bro. Il va vraiment trop vite quand il est. On a tous les mêmes passions, mais on n'a pas le même niveau. Bah ouais, c'est ça. Ouais, clairement, vu le temps d'apprentissage, pour gagner de la run, c'est tendu. Il vaut mieux régular run que tu fais, je pense. Ouais, c'est vrai que 12 minutes, déjà, c'est propre, tu vois. Maintenant, après, il va y avoir une autre règle qui va être ajoutée, un autre truc, donc il faudra voir. Un autre, comment dire, une autre partie qui va être rajoutée, un donjon, donc on attend de voir qu'est-ce que sera l'objectif annexe, quoi. Donc voilà. On verra ce que c'est. On verra quel sera cet autre objectif au final. Mais bon, curieux, hein. Curieux, 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 toujours très curieux. Pam 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 pam. Allez, go. Mais du coup, tu as fini Elden Ring sur ta série principale. Non, j'ai pas fini Théo Domir parce que, bah, en gros, j'ai pas le temps. Parce que du coup, j'ai focus le speedrun et donc, du coup, les heures que j'ai mis au jeu sont uniquement liées à. Sont uniquement liées à. Oh là là, essayez de ne pas. Au speedrun pour l'instant. Enfin, si, j'y ai joué un peu en perso, mais j'ai pas eu le temps encore d'avancer dans le reste, quoi. Donc voilà. Oh là, ils ont remis ce niveau, mais il est si dur. Oh, il est si dur quand t'as tous les. Oh là là. Il va y avoir de la perte encore. Hein. Faut qu'on arrive à réguler ce niveau aussi. Parce que là, on a eu un peu de réussite sur la dernière fois, mais. Il est où le canon? Ah, il est là. J'étais réussi à me mettre sur le côté au dernier moment. Dommage, j'ai pas réussi à. Ah! C'est relou parce que vu que t'es. Des fois, je. Ah, c'est dur, je dois plus suivre les boules. Aïe aïe aïe. Il est dur ce niveau. Il est dur, il est dur. Il enlève beaucoup de gens, quoi. Dommage, dommage. Tu vas le dire, comment ça va? Welcome on stream! Sinon, full esquive. Full esquive pour Elden Ring? Ouais, non, mais en fait, le problème, c'est que les esquives, ça te fait pas gagner de temps. En fait, la parade, ça te fait gagner du temps. Parce que vu que tu parades. En fait, tu peux mettre beaucoup de coups critiques, etc. Donc, c'est trop bien. Mais c'est très dur. C'est extrêmement dur. Donc, bon. C'est très bien la parade, mais c'est pas facile à. C'est pas facile à caler. C'est vraiment une histoire de timing. Mais bon, pour l'instant, on n'y est pas. En vrai, le jeu qu'il faut focus actuellement pour moi, c'est Fall Guys. Parce que c'est le niveau. Mais c'est le jeu sur lequel mes coéquipiers sont le plus forts. Si je ne suis pas à la hauteur, je plombe toute l'équipe, puisque je sais que Berlu a 300 heures de jeu sur Fall Guys, Moment est très fort sur le jeu aussi, et si je suis pas, si moi je suis pas au niveau, et ben en fait je vais plomber tout le reste de l'équipe. Donc je suis obligé, moi aussi, d'apprendre et de monter au niveau sur Fall Guys, parce que sinon je peux plomber le résultat de l'équipe, puisque Fall Guys est notre jeu phare, et il faut qu'on fasse top 1, top 2 sur les poules. Donc voilà. Ou au moins le podium. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me mette des heures dans la tête cette semaine. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup créneau Fall Guys sur la prog, parce qu'il faut qu'on s'entraîne sur Fall Guys. Même si c'est pas le jeu auquel j'ai envie de plus jouer forcément. Même si j'aime bien le jeu et tout. C'est pas le jeu auquel t'as envie forcément de mettre des heures, quoi. Oh là là, mais je vous en conjure, avancez, ne sautez pas, quoi. Ok. On passe au milieu ici. Hop. Est-ce que c'était le meilleur move à faire celui-là? On va monter de l'autre côté. Putain, dommage. J'ai essayé de passer de l'autre côté, mais. Quoi? Salaud. J'essaye de passer au milieu, mais ça passe pas.
Bon, c'est pas grave. Oh, mais lâche-moi, je t'en conjure. Bro, lâche-moi. Lâche-moi, bro. Pim, 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 pim. Ouais. Ça fait quelques temps que le début du train. Bah, un tout à l'heure, là, en gros. Mais faut que je prenne les mécaniques, ouais. Et puis après, je sais qu'il y aura un entraînement avec Moment aussi qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup m'aider. Mais là, il faut déjà que je joue et que, en gros, je passe toutes les maps. En fait, c'est ce que Moment m'a donné comme objectif, c'est-à-dire il faut que j'arrive en finale tout le temps. Mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Chose que je fais pas encore, même si j'arrive régulièrement en finale, c'est pas le cas. Donc, je suis pas encore 100% du temps en finale. Puisqu'en fait, le niveau qu'on a en multi, il est largement inférieur au niveau que l'on pourrait avoir, que l'on aura lors du lobby d'Asylan, quoi. Parce que le lobby de l'Asylan, c'est peut-être l'un des lobbies ou l'un des jeux. Et on en parlait avec Ponce ce matin quand on allait au shooting photo. On se disait que Fall Guys serait l'un des seuls jeux où le niveau de l'Asylan sera plus élevé que le niveau classique d'un jeu vidéo, quoi, tu vois. Ou que lobby, qu'un lobby classique. Donc voilà. Donc ouais. Salut Urban Spirit, comment ça va? Salut Pépin Pomme aussi, bienvenue à ceux qui arrivent. Welcome on stream, j'espère que votre journée s'est bien passée. Journée de boulot, journée de cours, ou parfois team chômage aussi, hein. Bien sûr, ça fait partie du truc. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. Écoutez, nous on est sur l'entraînement Fall Guys, on essaie de, comme je le disais, on essaie d'améliorer un petit peu tout ça. En fait, à un moment dans ta team, c'est bueno, ouais, bien sûr, mais il faut pas non plus que je sois à chier, quoi. Donc voilà, salut BZH Roro, comment ça va? Et du coup, 20h, faut que je mette d'ailleurs ça, je vais mettre ça. 20h scrim, enfin session d'entraînement quoi, je le mettrai après la partie, je le rajouterai. Mais 20h session d'entraînement, scrim Zilan. Il y aura deux lobbies je crois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits aux entraînements. Donc ça va être cool, ça va permettre de se jauger un petit peu. Peut-être pas gagner des lobbies, l'objectif pour moi sera pas de gagner des lobbies ce soir, ce serait au moins de me qualifier en finale relativement régulièrement. Est-ce que je vais y arriver? Je n'en suis pas sûr parce que le niveau va être quand même assez relevé. Parce que parmi les équipes, toutes les équipes ne font pas des scrims. Et voilà quoi. Donc on va super. Donc faut juste qu'on arrive à toper du niveau quoi. Là je cours au milieu du pack bien sûr. Comme ça si quelqu'un se fait taper c'est pas moi. Alors, on se fait un peu déglingue mais voilà. J'ai pas chopé. Poussez-vous, je vous en conjure. Est-ce qu'il n'y a pas un cut là où tu peux... S'il n'y a pas un cut, ça joue à la manette Fall Guys. Oui, et clavier souris aussi, les deux. Moi je joue avec une manette de Xbox, donc voilà. Je joue toujours avec manette Xbox voilà, sur PC. Mais je sais pas si on peut brancher manette de PS5 sur PC, je pense. Mais j'ai pas testé. Parce que je sais que je joue à Elden Ring sur console. Voilà. Je joue à Elden Ring sur PlayStation 5. Et donc du coup, bah, je me demande si je peux pas si je peux pas prendre une manette de PS5 sur PC. Oui, on peut. Après, j'ai peur que tu aies des bugs, parce que je sais que sur les manettes de PS4, il y avait des bugs quand tu passais sur PC. Et j'ai un peu peur que ça arrive aussi, quoi. J'avoue. 5 sur 20 en interro, mais j'en ai tranquille sinon. Ouais, je comprends. Ça m'arrivait aussi souvent d'avoir des 5 comme ça. Quand j'étais en terminale, enfin quand j'étais au lycée, c'était le lot quotidien. Mon lot quotidien, prendre des cartons en permanence, en filière scientifique. C'était ma vie. On se fait harceler là. La lourdeur.
Putain, les pastèques là. Pa. Putain, les fruits, les légumes et tout là, poussez-vous. Putain, qui sont un peu éliminés. Oula, attention. On a failli prendre pression, poussez-vous. Je me fais accrocher. Ça dégoûte. La grosse pastèque. Oh, la grosse pastèque. Putain, qui cache le reste de la vue. On voit pas. Oh, je passais de l'autre côté. Je passais à droite. Putain. C'est les autres qui gênent. Poussez-vous. Cassez-vous. Cassez-vous. Perfect. Salut Netflix, comment ça va? Je vais mettre de PS4, donc PS5, je pense que c'est possible. Oui, je pense aussi. Mais c'est juste que... Après, je sais pas à quel point ça me dérangerait de passer sur une manette de Xbox en jouant à Elden Ring. Faudrait que je regarde. Faudrait que je teste au moins une fois Elden Ring avec une manette Xbox. Voir si vraiment ça me dérange. Vu que j'ai beaucoup joué à la Xbox. Et je suis habitué à ce genre de manette avec des joysticks, un joystick plus haut que l'autre. Enfin, le joystick gauche plutôt que le joystick droit, contrairement à la PlayStation où on a des joysticks qui sont symétriques. I don't know. Faudrait que je vois. Alors là, le meilleur move, je crois, c'est de passer de côté, c'est ça. Le meilleur move, c'est passer sur le côté en général. Attends. J'ai tenté quelque chose, mais... Oh, c'est impossible, je... Je vais pas me qualifier, c'est terrible. Aïe, terrible. Onzième. La chatte. J'ai acheté Elden Ring, je lance des DL et acheté une manette Xbox en rentrant du taf. Ah, bien vu. J'ai à deux doigts de crevette. Un 12 en lice. Voilà, c'est final du coup. À 12 là, c'est final. 12, c'est final, c'est sûr, je ne vois pas d'autre possibilité. 12, c'est final. Dites-moi que c'est les... J'aimerais bien traîner les hexagones infernaux là. Les hexagones de la merde. Non. Si, c'est final. Ah, c'est ça. Vous gagnez la couronne, saute au-dessus de la poutre rotative et évite le sol qui dégringole. Ah ouais, c'est ça. Ah, putain, en plus, il y a le ventilo. Oh là là, casse les couilles. En plus, il y a le ventilo casse-couilles. Oh là, terrible. On va jamais y arriver. Y'a déjà un mec qui est tombé dans... Putain! Voilà, ventilo casse-couille, putain. Je savais pas ce que faisait le ventilo, il tourne autour du coup. Je pensais qu'il était juste sur un côté, mais effectivement il tourne autour quoi. J'aurais dû rester à l'extérieur. Et voilà. Mort à cause de ça. Bon, ça allait vite, hein. C'est allé vite, hein. En 2-2, hein. Ouais, en fait, il fallait pas que je reste à l'intérieur, j'aurais dû rester à l'extérieur. Oh, l'erreur du joueur français. C'est allé vite. C'est allé vite. On gagne ou on apprend. Tout à fait, je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Le truc, c'est que j'apprends quand même pas mal, quoi. C'est ça qui est cool. En fait, ce qui est bien, c'est que je ne perds jamais. Je gagne ou j'apprends. Mais là, j'apprends beaucoup, quoi. C'est ça qui est cool. Tu joues depuis quand?
Le jeu vidéo, écoute, je pourrais même plus remonter, hein. C'est vrai que mes premiers jeux, c'était sur Mega Drive. Je joue aux jeux vidéo depuis longtemps, hein. Je joue aux jeux vidéo depuis... au moins... Ouais, Sonic, Mega Drive, tout ça, tout ça. Hein. Bien sûr. Je ne perds jamais, je gagne ou je rage quitte. Tout à fait. T'es un gamers? Ouais, je suis un gamers. Ah, je suis un gamer, je suis un geek, je suis un gros geek, allô, je suis un geek, j'adore jouer aux jeux vidéo. Allô, je suis un geek, j'adore regarder les films Marvel. Je suis un peu un geek. Rien de plus mainstream que de regarder des films Marvel. Je suis un geek, j'adore regarder les films Marvel. Allô. J'adore me renseigner sur plein de trucs sur internet, je suis trop un geek. D'accord, mec. C'est pas ce que font la majorité des gens au final. Un peu. Et Star Wars, ouais, c'est ça exactement. Je regarde Star Wars et Marvel, je suis un putain de geek de ouf. J'adore aussi Harry Potter, je suis un geek. Ok, bro. Putain, mais c'est vraiment nul, hein. Peut-être qu'il faut que je dash plutôt pour avancer mieux, plus, un peu plus loin. Oh là là, c'est fatigant, hein. C'est fatigant, hein. Oh mais... C'est fou de faire ça. Un niveau où je suis très bon dans celui-là. Oh là là, c'est insupportable. Voilà. Enfer. Insupportable. C'est vous les nuls. La première fois que je tombe au milieu. Oh, je n'y arrive pas. J'ai pas le choix, faut que je speedrun. Oh non, je l'ai pas. Je suis abattu. Je suis vraiment une merde. D'accord. J'arrive à me qualifier malgré tout, putain. Oh, le niveau interminable. Pas sur le côté au pire, non, je ne passe que par le milieu. En vrai, le milieu est pas si compliqué que ça, mais là d'habitude je tombe jamais, mais là je sais pas, le taux d'humidité de la pièce est un peu trop bas, donc du coup ce qui fait que j'ai pas trop mes bons réflexes, quoi. Ça qui est terrible. Le DA me fait toujours penser à du vomi d'un enfant qui aurait jamais trop mangé, qui aurait mangé trop de bonbons. Parlez pas de vomi sur Fall Guys, s'il vous plaît. C'est des mauvais souvenirs. C'est des mauvais souvenirs. Bon, il se qualifie quand le dernier, là? On n'en peut plus, hein. Oh, c'est fou de faire ça. Lui, il a rage quit, il est en mode c'est mort. Alors que devant, il y a le bise. Allez. Allez. Allez, là, allez. Allez, les nuls. Allez, oui, peut-être. Oh, peut-être le... Oh, il y en a un qui va arriver. Attendez, il y a un bison. Le bison, il est où, le bison? Ah, le bison a réussi à y aller, je crois. C'est bon, 29 sur 29. Interminable. T'as vomi sur Fall Guys? Bah, non, mais j'étais pas bien. J'étais un peu malade sur Fall Guys, c'est pour ça. Non, mais oui, Fall Guys, j'étais malade effectivement un petit peu une fois. Et du coup, terrible. Ah, ça arrive. J'ai vu le mal de Fall Guys. Ouais, en fait, en gros, j'étais malade les jours où j'avais joué à Fall Guys. Et du coup, j'avais un souvenir vraiment nauséeux de Fall Guys. Vraiment, en mode, bah, je vomissais, quoi. Du coup, bah, du coup, j'ai préféré... du coup, j'ai ce souvenir un peu douloureux, effectivement. Allez, il faut qu'on attrape une queue. On joue à l'attrape-queue. À l'attrape-queue-queue. Et j'ai pas de queue, moi. Du coup, il faut que j'en attrape une. Alors, les jaunes, c'est mes coéquipiers, donc pas à eux.
Ils n'ont pas des bâtards. Lui va aller. Hop là. J'ai Veski. J'ai Veski, les condés, le comico. Hop, je suis. Hop là. Non, j'ai pas réussi à garder mon mec. Putain. Ça, c'est des coéquipiers, c'est des potes, c'est des potes, c'est des potes. Et pourquoi il me court après, le bouffon? Voilà, il est bête. Ok, super. C'est bon, on a 3 queues, on est bien normalement. Lui, il a pas de queue vite. L'eau sens. Hop, dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Allez, on est bien. On a... Par contre, faut pas qu'on se fasse éliminer maintenant, parce que là, on a qu'une queue. Faut pas que je t'en a que maintenant, wow. J'étais le détenteur d'une queue. J'étais le détenteur d'une queue sur deux de mon équipe, fallait pas la perdre maintenant, sinon c'était game. Allez les bleus, ça dégage. Comme en 2010. T'as bien tenu ta queue. Bah j'ai bien tenu ma queue, ouais. Tout à fait. Je l'ai perdu qu'une fois, mais je l'ai récupéré juste derrière, donc effectivement, ouais, personne n'a pu me tester là-dessus. Personne n'a pu me tester. Héros de l'overboard. Tâche de ne pas tomber de l'overboard et survivre jusqu'au bout. Ah oui, punaise, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est l'overboard. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est ça. Allez, faut pas tomber. C'est vrai que c'est ce parcours-là. That's true, bro. Donc faut que je fasse attention aux trapèzes de la fin, parce que la dernière fois, j'avais cru que c'était des... Je croyais que c'était au départ des... Comment ? Des trucs pour nous aider, mais en fait pas trop. Je crois que c'est des trucs qu'il fallait s'accrocher, mais pas du tout. Oh là là, bordel. Bon, attention, je me mets au milieu du pack. Hein. Du coup, s'il y en a qui tombent, on tombe tous ensemble. Hein. Oh là là, ouais, qui se sont dégagés déjà. Faut pas se faire niquer là. Merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Attends, on est que 8 qualifiés là. Les autres sont tombés. Mais vraiment. Ah, ça a été un carnage hein. Ça a été un carnage. Oh, oh la dingue. Oh, bel salto avant. Bello, bello. Et ben voilà, 8 qualifiés. Alors peut-être. Alors peut-être. Oh, la grimpette, ok, let's go. Juste focus de la grimpette, quoi. Let's go, la grimpe. Let's go la grimpette. Ça se fait qu'il est devant lui déjà. Supportable.
Ah, c'est mort. C'est mort. Aïe, 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 dommage. Ah, il était fort, le mec, devant, là. Punaise, il a pas... Oh, il a raté son truc, dommage, putain. Bon, ça allait vite, hein, putain. Aïe, 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 Kichuki. Non, la finale. Finale, je sais pas pourquoi j'ai sauté sur le truc. Enfin, le mec devant, il a tracé jusqu'au bout, il a juste raté le... Il a juste raté à la fin le... Dommage qu'on ait pas un endroit pour s'entraîner sur juste une map. Ça aurait été cool que genre on puisse juste s'entraîner sur une map à fond et pas je la jouais que de temps en temps en finale si t'es en finale quoi. Ce serait cool qu'ils arrivent à mettre ça en place à un moment donné. Tac 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 tac. Hop là. En partie privée, tu peux pas choisir les épreuves, faut que je vois. Faut que je vois si je peux choisir. C'est pas sûr en vrai. C'est pas sûr que je puisse choisir comme ça. Hey Milo, comment ça va? Je sais pas. Faudra que je regarde si je peux choisir au final. Bon, j'ai mis vraiment une... Je suis insupportable, j'ai mis vraiment une... Une majuscule par mot. Voilà. Putain, on est déjà sur ce genre d'épreuve. Ok. Ça va très bien, ouais. Première vue, le lien du tome officiel a été publié sur le Discord de la Zilan Rive. Ok, merci beaucoup Ramzo, merci pour le 8e mois d'abonnement. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Oh non, je me suis raté encore. Terrible. Ah mais... Nickel. Comment ça va? Ça va toi, Vras? Bon, comment qu'il va celui-ci? Il est bien rentré? Il est bien rentré celui-ci, monsieur Vras? Je m'ai dit, il est le seul sorti intact de ce tournage, apparemment. Oui, tout à fait. Bah, moi, je me suis rincé les cheveux, quoi. Il y a Ponce qui a les cheveux violets. Ultia aussi qui a un make-up on flight. Tout à fait. Je suis le seul à être en sortie. À être sorti grandi. Ou un peu normal. Parce que du coup on avait un shooting ce matin avec du coup pour la boutique de Ponce là, c'était vraiment trop bien. On avait un photographe mais le niveau du gars, monstrueux. Enfin, vous verrez les photos bientôt de toute façon, vous verrez bien, vous verrez bien. Vous verrez bien, vous verrez bien. Eh bien écoute, train de retour. Ah t'es dans le train de retour du coup? T'as kiffé ta deuxième journée à Disney parce que du coup j'étais à Disney du coup hier avec Ras comme je disais. Enfin du coup et l'ami que j'ai croisé c'était Ras justement. Et c'était cool, c'était cool, c'était cool de se croiser. Mais donc effectivement, comme je disais, c'est ouf parce que Disney, du coup, c'est la première fois que j'étais dans un endroit aussi bondé avec personne ne portait de masque, du coup. Et ça faisait bizarre. Il n'y avait pas le pass vaccinal et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de monde lundi. Est-ce qu'il y avait moins de monde aujourd'hui, d'ailleurs, Ras? Est-ce qu'il y avait moins de monde aujourd'hui, d'ailleurs? Parce que lundi, d'habitude, il n'y a pas trop de monde et là, il y avait vraiment blindé à Disney, quoi. C'était assez ouf. Et c'est vrai que voir autant de monde comme ça, avec pas de masque et tout, j'étais en mode, ah ouais, marrant ça. Abuser le monde sans masque. Bah ouais, c'est... Mais bon. Tu te dis, bon, bah, c'est comme ça, quoi, maintenant, tu peux pas le reprocher aux gens, quoi. L'être humain a revu des dents des autres êtres humains. Mais c'est fou, on a revu des choses, on revoit les gens, on les dévisage. Les gens sont beaux. Ils ont pas juste des masques. Maintenant, on les voit derrière leurs masques. Et les gens sont beaux. Donc, non, c'était cool. Merci, Maître Doudou, merci pour le 10e mois d'abonnement. Merci beaucoup pour le soutien. Welcome back. Parmi les cerveaux, bonsoir, bonsoir, merci pour le prime. Évidemment, messieurs, on ne fait pas dormir ces primes, hein, c'est important. Si vous avez des primes, évidemment, on n'hésite pas, on ne les fait pas dormir. 8 heures de sommeil, pas plus. Merci beaucoup, Nico Bobo, merci pour l'abonnement de tier 1. Bienvenue, welcome back parmi les cerveaux pour le 11e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Putain, ouais, encore des formes aléatoires, là.
Ok. Oh. Ouh, rasé par le fer à cheval. Oh. Ouais, j'ai vu le fer à cheval encore une fois me foncer dessus. Ok. Bon, c'est quand que ça finit là? C'est bon, on a résisté là. Bon, il est relou lui. Arrêtez de me choper. Même quand tu te fais taper au final, t'es pas sûr d'être éjecté quoi. Bon, j'attends. Okay. 9 éliminés. Merci, 9 éliminés quand même. Hein. 9 éliminés. Merci beaucoup, Rasmus, pour le Prime. Merci à toi, bro. C'est bon, merci toi, Berlu est bien prêt pour l'épreuve du jeu sur GTRP. Ouais, je sais, il joue à GTRP, mais en même temps, je peux pas lui en vouloir. GTRP, ça demande tellement de présence que c'est normal qu'il continue à y jouer, tu vois. Évidemment. Il y a aucun problème là-dessus, qu'il joue à GTRP. Tant qu'il nous chie pas... Tant que le netteux ne se chie pas dessus, parce qu'on a un peu peur, c'est ça, Berlu, c'est qu'il nous fait un petit peu peur sur le fait de craquer en LAN, quoi. C'est un peu ça, le truc, quoi. C'est un aimant, pas un fer. Ah, c'est un aimant. Pardon, j'étais sur un fer à cheval. Ça, j'étais sur un. C'est un aimant. Pourquoi j'ai dit un fer à cheval? C'est fou de faire ça. Mais qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, du coup, non, Disney, c'était bien. C'était cool. Mais il y avait du monde, hein, quand même. Alors, d'habitude, en semaine, il n'y a personne. Du coup, j'étais un peu surpris. Je me disais, mais. What? Et puis après, je me suis remémoré. Mais oui, mais c'est le premier jour sans passe sanitaire. Du coup, je me suis dit, tu sais, il y a tous les gens qui se sont pas fait vacciner, etc., qui se sont dit go à Disney, day one. Ok, je peux pas, ok. Ils sont allés day one où il n'y avait plus besoin de vaccin, ils se sont dit c'est maintenant. C'est notre moment. Allez hop zou, regardez, checkez ça, ok nice. Ok boum, et là. Hop. Cinéma sans masque, pas sanitaire, le plaisir du monde belgique. Ouais, bah il y a le pas sanitaire. Ouais, bah du coup là maintenant, même le cinéma au final maintenant, il y a même plus besoin de pas sanitaire aussi. Alors j'y pense, il faut prendre de l'élan, hein, les gars. Faut prendre de l'élan, c'est important. Mais ouais. Yep. Ma demande lundi, très calme mardi. En plus, il faisait mauvais, il pleuvait du sable, donc ça allait. Ouais. Ah oui, c'est vrai, il pleuvait du sable. C'est vrai. Il pleuvait du sable aujourd'hui. Sur Paris et même partout en France. Vous aussi, vous avez du sable d'ailleurs ou pas? Parce que là, il pleuvait du sable avec, je sais pas, le Sahara ou je sais pas quoi, le sable du Sahara qui remontait jusqu'à nous là. Du coup, je voyais du sable partout sur les, je voyais du sable un peu partout là sur les voitures, sur les poubelles et tout. J'étais en mode ah ouais, bizarre. J'ai l'impression d'être un peu à la plage. Pas en Bretagne. Ah ouais. Ah oui, il y avait du sable aussi. Moi non, dans le Sud-Est. Bof à Toulouse, c'est toujours, c'est toutes les semaines. Ma voiture est immonde à cause du Sahara. Je propose qu'on porte plainte. Oh putain. Final. Excusez-moi. Focus. Juste focus, on parlera du sable après. Putain, non, il est revenu sur moi, la boule, ça dégoûte. Putain.
Oui, je l'ai. Let's go! Il l'a chopé, il est revenu du diable Vaubert, le joueur français, alors que personne ne s'y attendait. Il la chope. Ça s'est joué à rien du tout. La connexion. Le deuxième top 1, bien sûr. Let's go. Let's go. Let's fucking go. C'est juste win en fait. Gotaga et Mikalo très discret puis tu t'es mis à Fall Guys. C'est la meilleure punch. Excuse-moi mais Rive, je tenais à te dire que Mikalo et Gota très discret puis tu t'es mis à Fall Guys pour le coup. Là j'ai regardé beaucoup moins de tweets sur leur compte principal etc. Donc effectivement, ouais tout à fait, ils sont beaucoup plus discrets ouais. On les entend, on les voit beaucoup moins en live en ce moment, effectivement. Salut Berlu, comment il va celui-ci? Berlu, tu fais le training, tu t'es inscrit ou quoi pour le scrim tout à l'heure sur Fall Guys ou pas du tout? Berlu, est-ce que tu t'es inscrit pour le scrim tout à l'heure, Berlu? Est-ce que tu t'es inscrit, Berlu, tout à l'heure pour le scrim et pour t'entraîner? Non mais c'est important qu'on s'entraîne, Berlu, c'est pour ça. Enfin, moi, c'est surtout plus important, mais c'est surtout pour tester des lobbies avec un niveau un peu plus élevé. En vrai, j'y vais sans pression, je m'en balèque de gagner ou quoi, c'est absolument pas le but. Le but, c'est juste de voir où est-ce que je me situe par rapport aux gens et voir si on peut au moins taper quelques finales, quoi. C'est le but. Oh, tu m'as défoncé, tu vas les tondre, je vais les tondre, Bakatsuki. Ouais, je t'ai défoncé, je sais pas, je défonce personne, moi, j'essaie de faire mon petit bout de chemin, je m'améliore. Mais je prends du plaisir à jouer à Fall Guys, c'est vrai que comme je disais, il revient un peu de loin ce jeu dans mon cœur. Hein. Vraiment, c'était pas un jeu que je kiffais spécialement, et puis au final... Je sais pas, c'est comme les... C'est comme, t'sais, des groupes de potes, c'est-à-dire que t'as des gens... T'sais, quand t'as des groupes de potes très grands, t'apprécies pas tout le monde, mais il y en a qu'au final, au départ, tu pensais vraiment pas les kiffer, mais ils sont là, et puis au fur et à mesure, ils étaient en mode, bah pourquoi pas, au final, je m'habitue à leur présence, quoi. Et Fall Guys, c'est de plus en plus ça, je l'apprécie. C'est la bonne surprise du groupe, quoi, tu vois. C'est la bonne surprise. Punaise, là, je me fais sniped. Oh, je me fais sniped deux fois. C'est Wartek. Il m'en veut. Oh, mais ça va, aussi. Et putain, mais... Oh, c'est la première fois que je me fais autant bully. C'est trop... Les gars ont vu Rive performer un stream, il se fait stream à web de fou. Des noms à donner peut-être. Non, j'ai pas de blaze à donner. Des blazes à donner? Non, je sais pas. Je sais pas. Qui parmi mes potes je pourrais dire est comme ça? Non, j'ai pas de nom à donner, tu vois. Pas des noms, je sais pas. Par exemple. Il y a une nana par exemple qui est une pote à moi, elle s'appelle Carla, un peu relou, tu vois. Et au bout du compte, tu t'habitues à sa présence. Alors vous la connaissez sûrement pas, mais bon, enfin, du coup, ça sert à rien que je vous en parle au final, mais elle s'appelle Carla, elle est vraiment, bah, bon, ouais, tu vois, elle est un peu fade, quoi, tu vois. Mais tu t'habitues à elle, tu vois, elle est là, bon, elle est... Tu vois, elle existe un peu. Alors ça, alors, peut-être que vous avez vous aussi dans votre groupe de potes comme ça, des radines. Et en fait, elle, pareil, elle est radine, tu vois. Et tu vois, elle veut jamais payer rien, Et tu vois, c'est un peu agaçant, mais après, elle a quand même des conversations intéressantes de temps en temps, tu sais, elle existe, quoi. Elle a le mérite d'exister. Elle stream aussi. Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'elle... Non, je crois pas qu'elle connaisse trop Twitch, à mon avis. Je sais qu'elle aime bien Nintendo, mais... Bon, vous savez, les gens de Nintendo... C'est pas... Twitch, ils connaissent pas trop, quoi. C'est pour ça, elle est pas radine, elle est ratus.
Non, 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 radine, pour le vraiment, vraiment, elle est radine, quoi. Italienne, tout à fait, exactement. C'est fou, comment vous savez ça? Exactement, elle est italienne, ouais. Exactement, ouais. Elle est italienne. Enfin, sicilienne, elle dit, je crois. Bon. Vous savez, moi, je connais. Moi, je pactise pas trop avec ces gens-là, moi. Alors, il y a deux murs et une et deux. Et deux. Deux. Trois. Trois murs. Il y a trois murs. Trois murs et deux. Ok. C'était quoi le chiffre? J'ai pas vu le chiffre. Ok. Je me suis jamais qualifié sur ce jeu. Compte. Alors là, il y a 1, 2, 3. Il y en a 4, 4, 2, 1. Ok. 4, 2, 1. Let's go, again. 4, 2, 1. Putain, il y a vraiment de gens qui tombent. Je rigole, hein. Je suis tombé moi les premières fois que je jouais à ce jeu. Ok, alors là, il y a 2, 3, 2. Attends. Non, il y a 3. Non, il y a 4. Il y a 4, 3, 2. 4, 3, 2. 4, 3, 2. Je suis la majorité. Les cons. D'accord. Vas-y, je me suis inscrit. Asie, Berlu, Asie. De toute façon, on le fait en vocal, non, Berlu? T'as la musique, elle ferait. Ouais, elle me rend des dingues. Elle me rend des dingues, la musique. Vas-y, si tu veux. Vas-y, je finis le stream. Vas-y, j'arrive, je finis la partie et j'arrive en vocal. Vas-y, ça part en vocal direct. Imperdable. Bon, t'es pas imperdable, mais il faut rester un peu concentré, tu vois. Mais typiquement, c'est le genre d'épreuve que je peux rater quand je suis en LAN. Mais après, si je suis en vocal avec Berlu, avec Moment, ils compteront pour moi, tu vois. Ils compteront pour moi. Ça devrait le faire. Ok, donc là, il faut juste rester sur les tambours ou faire le... Ouais, ça devrait aller. Ou sinon, je peux essayer de m'accrocher au... Je peux essayer de m'accrocher aussi, quoi. Au truc, là. Au trapèze. Est-ce que le trapèze, c'est pas le meilleur bail? Parce que t'es accroché, quoi. C'est bon, dans l'idée. Donc, c'est game. Putain, ouais. Il s'agirait de s'accrocher, quoi. C'est le problème. Oh là là, je suis catastrophique. Qu'est-ce que je fais? Mais pourquoi j'arrive pas à sauter? Insupportable. Saute. Je t'en conjure, mais saute. Il veut pas sauter. Il est con. Trop nul à ce jeu vidéo. Putain, voilà, je me suis même pas qualifié. Je suis trop nul. Oh là là, j'avais trop hâte de retrouver Berlu, en fait, c'est pour ça, je pense. J'ai juste trop hâte de retrouver Berlu. Il y a une strat pour ce jeu, si tu veux. Bah, je suis chaud. Moi, je reste sur les tambours, mais après, le but, je pense que c'est de tomber sur la plaque et arriver vite sur prendre un trapèze, et puis t'es game, et c'est fini, quoi. Je pense. Celui de... Là, la strat tambour est pas bonne, va juste en dessous du trapèze, tout droit, comme fait Moment. Ouais. Ouais, je regarde, je l'ai pas fait la strat trapèze. Ouais, je check. Parce que la trappe tambour, en général, elle peut marcher, elle marche bien. Mais je dis ça, mais là, elle vient de pas marcher, quoi, mais... Mais non, mais je voulais quitter. Ouais. Donc, ouais. Faut faire le tour de la map, il y a des ventilateurs qui t'empêchent de rester sur les tambours. Ouais.
Passer son training avec tes mates. Si, bah on va en training tout à l'heure là avec Berlu. Mais moi je focus Fall Guys. Mais Momo est pas là ce soir. Mais du coup bah on traîne quand même. Mais faut quand même train même si Momo est pas là. Hein. On va pas se laisser abattre. Hein. Oh. Wow, plutôt Tolito, ça traîne fort apparemment. Ouais mais de fou, mais je kiffe. Mais en vrai c'est trop bien, je trouve que les jeux de la Zilan cette année sont trop cool. Y'a pas de jeu à train comme Trackmania là. Tu vas faire des runs en perma et tu sais très bien que de toute façon il y a des aliens qui vont venir t'annihiler ton PB, donc t'es en mode bon bah. Non, c'est trop bien les jeux, j'aime vraiment beaucoup les jeux cette année. Ils sont différents, il y a Elden Ring en plus, j'aime trop, enfin voilà. Salut Zenek, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci à toi, très bonne soirée. Donc ouais, tu as déjà fait la Zilan. J'en ai déjà fait. J'ai fait la première avec Ponce. La toute première Zilan, et après je m'étais pas réinscrit parce que pas trop le temps. Et puis souvent en fait la deuxième Zilan par exemple. Il y avait eu 4 mois de prépa et du coup ça m'avait pas chauffé. Avec le Covid et tout, on n'était pas sûr que ça se fasse, machin. Et la troisième, bah pas chaud, les jeux m'intéressaient moins. Et puis j'avais beaucoup de boulot aussi. Là c'est que un mois entre guillemets. Donc écoutez, le timing est plus ou moins bon. Et enfin, est même très bon pour moi. Donc écoutez, moi ça me va nickel de faire la Zilan cette année. C'est le bon timing. Un mois c'est suffisamment cool pour que tout le monde kiffe, mais c'est pas trop long non plus, donc comme ça, c'est juste comme il faut pour moi, c'est juste comme il faut, pas trop long, juste un peu de train comme il faut, et puis on se la régale. C'est bon, c'est checkpoint. Alors ça, c'est la strat pour le coup ici, je ne la connais app. Bon, ça doit être ça du coup. Mais surtout un duel contre le FCF. Mais le FCF en fait ils ont une équipe tellement monstrueuse que t'es en mode bon. Après nous on n'a pas les mêmes objectifs dans le sens où nous on veut juste passer la LAN. Nous on veut les phases de poule. On veut passer les phases de poule. Nous on veut vraiment passer les phases de poule. C'est l'objectif. Donc c'est pour ça qu'on traîne vraiment, on met une prio maximum sur les jeux de la poule. Donc Motus, RPZ, RPZ. Motus, Fall Guys, Apex, Elden Ring et le dernier Riders Republic. Et Riders Republic. Même si ce sont vos rivaux, tu pourrais coacher un peu au Nutrem sur Fall Guys, qui vu qu'il galère un peu. Ouais, il est un peu chiant. Ouais, mais... Écoute, j'essaierai de lui prodiguer 2-3 conseils. Je vais lui prodiguer des petits conseils à ONU. Ça va lui faire du bien, je pense. Quel toupet je peux avoir de dire ça. Non, mais je vais pas. Non, vous inquiétez pas. ONU est quand même un assez bon joueur. Il devrait réussir à apprendre assez vite normalement sur Fall Guys. Pour ceux qui ne savent pas, ONU, donc qui est coéquipier de Ponce, a gagné le Fight for Sub, donc qui est une compétition organisée par Zerator qui était sur Fall Guys justement. Et il a gagné alors qu'il y avait des top joueurs comme Moment justement. Après, Moment n'a pas eu de chance de ce qu'il m'a dit parce qu'il avait aussi des bugs de lobby et tout. Donc, après, les excuses. Mais oui, je crois que. Enfin, on entend. On comprend ces petits soucis quoi. Allez, l'Overboard. Héros de l'Overboard. Qui a éliminé beaucoup de gens lors de la dernière fois, j'avoue. Attention à pas se faire surprendre nous non plus, mais c'est pas un niveau si simple que ça en vrai. Faut qu'on le passe. Allez go. Ok, alors attention, là, à pas se faire niquer. On fait gaffe. Attention, l'aimant. Là, là. Oh ouais, je fais bully. Ah, c'est bon. C'est bon. Ok. Mais putain, mais. Mec, me. Mais il est relou, lui. Oh.
vais mourir. Je vais mourir. Non, c'est bon. J'avais pas vu qu'il y avait une pioche là. On prend le temps. Oh la chatte. Oh la, l'énorme chatte. Hein. Allez, on focus. Ouais, la chatte, ouais. La chatte, ouais. L'énorme chatte, ouais. Après, c'était une chatte ponctuelle. C'était vraiment... C'était ponctuel, quoi. Rick, tu as des bons bouquins sur la guerre de Tchétchénie à conseiller? Non. Pour le coup, j'ai pas de trucs sur la guerre de Tchétchénie, malheureusement. La guerre de Tchétchénie, tu dois pas avoir beaucoup de bouquins dessus parce que déjà les soviétisants, il n'y a pas beaucoup d'historiens actuellement qui travaillent sur la Tchétchénie. Enfin, sur l'URSS, déjà, il n'y en a qu'une quinzaine en France, je pense, qui travaillent sur la période soviétique. Donc c'est pas énorme, énorme. Sinon, des bouquins. Après, ça dépend, est-ce que tu cherches des trucs sur l'Union soviétique ou vraiment, vraiment, vraiment sur la Tchétchénie? Et Tchétchénie, je connais pas assez malheureusement Poseidon. Non, je pourrais pas te donner pour la Tchétchénie. Ah ouais, la chatte qui a pas duré quoi. Terrible, terrible. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en finale là quand même. Attention hein. Attention hein. Allez go. On est reparti. Ah, les Zoultans, ils sont arrivés beaucoup plus vite à droite là. Attention à ce qu'il n'y ait pas des trappes qui nous éjectent et qui nous mettent dans la sauce. Il n'y en a pas. Okay. On a Aps. Ok, super. Oh non, mais what? Ok. Donc, continue au pouvoir, je pense que c'est difficile de travailler sur le sujet. Ouais, je pense que c'est pas facile, ouais, à mon avis. Mais j'ai va. Je viens de finir Alas Mountain, qui est maintenant sur le sujet, mais en anglais, donc je cherche des équivalents en français pour mes amis non anglophones. Bah, en fait, en gros, le problème, en fait, c'est que la littérature anglo-saxonne est forcément plus fournie que celle qui est française. Et aujourd'hui, je pense que tu vas avoir plus de mal à trouver des trucs sur la guerre de Tchétchénie, à mon avis, en France. C'est pas un sujet qui a été beaucoup traité, je crois. Mais je te dis peut-être une bêtise, hein. Peut-être qu'un historien, une historienne travaille dessus. Et là d'ailleurs, on fête les 50 ans du traité d'Évian, là aussi, hein, entre la France et l'Algérie. Peut-être qu'on essaiera de se faire un live aussi sur le sujet, parce que c'est un sujet très important. Et qui compte aussi, et qu'il faut étudier, donc... ouais, je vois si on peut trouver un historien, historienne sur le sujet. J'ai des noms en tête, mais il faut qu'on se confirme ça sur des dates et tout. Parce que c'est un sujet assez épineux, bien sûr, que la guerre d'Algérie en France. Ça va être intéressant d'en discuter, justement. Allez, donc là, le secret, c'est de rester en relax. C'est de rester en relax. Ok, l'autre, il est là. Et j'ai les troncs en visu. Bon, je fais du ping-pong entre les deux. Je m'étais jeté sur le bas-côté.
Oui. Ouh, la chatte. Je l'ai. Oh la chatte. Il y en a d'autres. Attention. Pas passer loin de la correctionnelle. Il y a du monde qui est parti, je crois. Oui, quand même, effectivement, un petit peu, ouais. Oui, il y a un docu sur France 2, il y a 2-3 jours, je sais pas ce qu'il vaut. Bah, faut que je le regarde, on me l'a envoyé par message privé, faut que je le regarde, ouais. On me l'a conseillé, effectivement. Il faut que je regarde sur les traités déviants. Oh, le foot, quoi, sérieux, on va faire un 4 contre 4 là? Mais non. Aïe 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 aïe. Oh le foot. Est-ce qu'on défend ou on attaque nous? Première game de foot que je fais là. Ah, je vais défendre, je suis plutôt habile à défendre. Quoi que là on a le ballon. Les deux ballons sont chez eux, c'est bien. De l'autre côté, je sais pas s'il y a un ballon qui... Oh, ils l'ont mis dedans. Nickel. De l'autre côté, c'est comment, là? Ça défend comment, de l'autre côté, là? Je l'ai envoyé chez nous, je suis un chien. Bien, ça. Super bien frappé, celle-là. Hop. On va continuer à la pousser. Oui, les deux ballons sont vers eux. Oh, putain. Oui, on en a envoyé un. Il y en a un chez nous là. Oui, incroyable. Bien joué ça. Ah putain, il y a 3-2, attention. On défend. Ah, c'est chez eux, les deux sont chez eux, c'est bien. Je vais rester en défense. On a un petit avantage, il faut le conserver. Je reste un peu en retrait si jamais le ballon ressort. Attention. Ah, la ballon est chez eux. Attention, on recule les gars. Oh. On recule les gars, attention. On recule. Ah, c'est bon, le ballon est... Il y a un ballon chez eux. Ok, lui il va le toucher, c'est bien. Ok, moi je suis le dernier rempart, dernier rempart. Let's go. Zutom vient d'être mis en ligne. Zutom. Ouais, faudra que je regarde tout à l'heure. Ouais. Après la game, je vais regarder à quoi ressemble le Zutom, le site de la Zilan. Oh le ouais, le foot. Enfin, 4 qualifiés. Hein. 4 qualifiés. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. On est plus que 4 en finale. Est-ce que ça va être la. Ah, je pense que ça va être la montée. La course, là, je crois. Hein. Quoi? Hein, on va faire un truc de bouton, mais... Je pensais que c'était une... Ok. On va faire le 1 contre 1 bouton et tout, là. Eh bien, bonne chance. On va voir ce que ça donne. Mais du coup, il y a... Putain, il est dessus le premier. Oh, il l'a. Bien joué. Il a les 3 premiers. C'est chaud. Bien joué, il l'a. Oh.
coup, je l'ai délogé de son truc. Une démonstration. Voilà. Et mon fils en a parlé. Non, j'ai pas parlé de mon fils qui a battu Medvedev hier, ouais. J'en ai pas parlé. Mais c'est vrai qu'il a été fort. Enfin, il arrive. Ouais, on a bien sorti. Bah, en fait, à un moment donné, j'ai eu de la chance, les boutons étaient de mon côté après. Donc voilà. C'est full RNG le jeu là, non? Bah, non, c'est pas une RNG. Tu peux... Là, j'ai temporisé par exemple. Si j'y mène un petit peu, bah, je peux essayer de temporiser pour le forcer à bouger. Et du coup, je reprends le momentum, etc. Il y a un peu de brain aussi, quoi, tu vois. Pulvérise les portes pour frayer un chemin jusqu'à la couronne au bout du labyrinthe. Certaines portes sont réelles et d'autres. Enfin, ok, putain, j'ai jamais fait ce jeu là. Ok. J'ai jamais fait ce jeu, donc je ne sais pas. Putain, ça... Bien joué, il a la bonne porte. Il est parti tout seul, bâtard. Je peux le rattraper encore, mais... Oh, mais il a toutes les bonnes portes directes, quoi. Bah d'accord, bah c'est tout droit, quoi, du coup. Oh, bah super. Bah bien joué. Il a eu toutes les portes. Bien joué, j'ai... Bon. C'est dommage. Il allait tout droit. Non, dommage. Putain, j'ai raté une porte et puis après il allait tout droit. La chatte. Alors, je peux avoir la chance tout le temps. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, je regarde. Attendez. D'ailleurs, il me semble que... Attendez, du coup, on nous a dit que... Oh, on nous a dit que Zutom était sorti. Faut que je regarde vite fait le site pour voir à quoi il ressemble. Juste pour voir à quoi ressemble le jeu Zutom by Zilan, by Zerator et tout ça. Mais c'est cool, on est quand même pas mal régu en finale, on y va quand même très régulièrement et tout, c'est cool, j'y vais pas à chaque fois, mais bon. Ah bon, quitte l'émission, je vais juste regarder du coup. Hop, le truc Zilan. Hop, je check vite fait. Training Zilan. Alors, attendez. Training Zilan. Ok. Ah, c'est par round de 10 minutes, du coup. Attendez. Où je vous montre ça. Hop. Training Zilan. Voler. Ah oui, c'est vraiment sur ce format-là, quoi. Très bien. Vals. Vélo. Viel. Vieille. Et il y a vieille. Vieux, quoi. Non, il n'y a pas de L. Vieux, ok. Vie. Finance, fille. Fini. Fesse. Ok, j'ai mis le même truc au même endroit, c'est énorme. Le mot n'existe pas, ok, ça me met comme ça. C'est pas fait quelque chose, c'est fait fu. Fusil, ok, vraiment. Wow.
Ok, fausse. Il n'y a pas de... Wow. Folie. Faux... Folle. Non, il n'y a pas. Perdu, le mot était formé. Ah, c'était formé le mot, ok. Ok, le mot c'était formé. S'il est formé, du coup. Culte. Cal. Calé. Ok. Mot. Mauvais. Moitié. Motivé. Quoi quelque chose. Motivité. Movité. Motin. Mopé. Motu. Motivé. Motivi. Motivi. Mot. Plus que 3. Lire je réfléchis, hein. Lecture, litre. J'ai tenté l'or, mais non, ça marche, c'est pas français. Lutte. Loutre, j'ai tenté loutre, mais non, loutre, loup. Loop. Loop, du coup. Q. Keko. Q quelque chose. Cop. R. Creux. Qui. Kipo. Qui... T'as un mot en K quelque chose. Quoi. Qui. Qui. Une quille. Q. Si un I a une autre position, donc c'est ça. Qui a. Kim, Kip, Kib. Ki. Kip, Kim, Kill. Kid. Kid. Quid. Ah, quid. Punaise, quid. Oh, ok. Quid. Violon. Valet. Va. Velours. Velours s'écrit pas comme ça. Mmh.
Je regarde. Valet. Val. Vu. Vaté. Vater, je réfléchis. Vater. Vater. Valat, quelque chose comme ça peut-être? Volute, j'aurais dit non, volute, c'est pas comme ça. Le E à la fin. Voûté. Vos. Votre. Votre, ok. Flex sur Twitter. Votre. Bon, on était pas mal, hein, sur la série du jour, là. Vous en avez pensé quoi? On a été bon, hein, sur la série du jour. Je sens que ça va mieux. Votre. On a été bon sur. On est allé vite, hein. On est allé très très vite, j'ai trouvé. Par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer ou quoi, ou qu'est-ce Alors, fermeture des inscriptions 20h50. Pensez à cacher la scène pour pas leak. Lancer 21h. Ok, on lance du coup tout ce qui est. On lance la game à 21h ce soir pour Fall Guys. Donc, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. On va pouvoir s'entraîner ce soir, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Tu joues avec des gens, Riv? Bientôt avec Berlu aussi, mon mate. Pour atteindre cette liste, les mots ont l'air moins chauds que sur Tusmo. Bah, ils ont Tusmo, ou en tout cas, ils ont plus de sens, quoi, tu vois. Après, c'est peut-être les premiers jours et tout, tu vois, la liste est cool avec nous, quoi. Tu connais Nurdle, Nurdle, c'est le même jeu avec des opérations mathématiques. Ah, Nurdle, non, je connais pas. Je connais pas Eloapin. Pas du tout. Il n'y a plus Fall Guys? Si, 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 on était sur Fall Guys, vous inquiétez pas. C'est juste que j'étais en train de. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Je vais juste faire un petit tour, je vais juste sep et je reviens. Je vais juste faire enfin, une petite pause bio, on devrait dire ça plutôt comme ça. Et je reviens d'ici. Bonsoir, vous êtes sur le stream de Rivenzy. Finalement, vous êtes stream de moment. Je détiens le pouvoir du prisme lunaire. Je pourrais sortir des insultes à gogo. Ah, merde. Chut, chut, chut. Yo. Ah, yo, salut. Yo, mec. Ça va, mec? Ça va, moment? Il spottait le live depuis tout à l'heure et il s'est mis direct dans le. On le connaît, celui-ci, hein. Oh, il est trop fort, j'arrive. Il est trop fort. Tu joues du coup ce soir? Ouais. Bah bien mais sûr, non. je vais m'entraîner avec l'équipe, bah bien sûr. Ah, mais je savais pas que tu jouais ce soir, c'est trop bien. Bah oui, avec Berlu. Voilà, avec Berlu. Ah, juste avec Berlu, du coup. Création 20h50 et 21h. Ok, mec. Le feu. Ah non, mais
C'est ça, hein. Ouais, ouais. Mais moi, attends, mais invite-moi. Et que lance pas. Il lance sans moi, ok. Ouais, bah, t'es en danger. Bah, bonne soirée, hein. Enfin, plutôt bien. Hein. Ah, comment ça se passe ton entraînement? Bah, c'est mieux. De mieux en mieux, d'accord. De mieux en mieux. C'est pas grandiose encore, on gagne pas tout, on n'est pas. Mais je suis en finale beaucoup plus souvent que. Mais en vrai, ça va, je progresse quand même assez vite, les gens pourront en témoigner. Et. Non, c'est cool. Et. De toute façon, il y a 3 grosses sessions là, j'ai 3 jours là, je crois, où ça va vraiment être. Ah, c'est bien. Tu vas voir full train. Là, tu vois les lobbies, tu vois les entraînements, tu verras que c'est pas la même chose. Hein. C'est vraiment, faut pas faire d'erreur pour passer les poules. Enfin, passer les phases. Il faut faire des. Faut faire que des. J'étais en ami sur. Bah, je pense qu'un jour on va devoir se add, je sais pas quand, mais. Je pense maintenant ça peut être bien. Au hasard. C'est une bonne idée, enfin, je dis ça, enfin. Ça, je dis rien. Je te propose maintenant, tu sais, comme ça c'est fait, vas-y. Tu vois. Vas-y, j'attends. Le moment douloureux et c'est maintenant. Comme ça, on s'add maintenant en coéquipier. Erlu, vu que tu l'as en ami normalement. Attends, je t'envoie si tu veux sur mon code ami. Vas-y. Nanana. Là, tu stream ou pas à un moment? Non. Ok, tiens le code ami. Bro. Ouais, je sais qu'il faudra pas faire d'erreur, mais c'est pour ça que c'est cool qui est justement le. Jad. Qui est le train là cet après-midi, parce que, enfin ce soir, parce que du coup on va pouvoir bien. Pouvoir essayer un peu plus, comme tu dis, le vrai truc un peu compliqué, quoi. Parce que c'est vrai que là, en fait, c'est entre guillemets un peu facile parce que tu sens que les mecs sont des. Enfin, mais gros, mais vous avez déjà joué à Fall Guys ou c'est pour tous c'est la première fois? Les mecs sont un peu perdus, quoi. Oui. Donc du coup c'est pas tout le temps très intéressant comme game, quoi. Mais bon, dis-toi après, que le niveau qu'il y a, en fait c'est le truc qui serait bien, ça ferait une bonne session, une soirée ou une après-midi, où on demande à aux personnes de nous rejoindre, parce qu'en fait c'est à peu près ça le niveau qu'il y a. C'est les gens qui sont vraiment très forts et qui ils arrivent toujours en finale, et donc en fait tu verras que dès que tu fais un mauvais saut, ah bah tu passes pas, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Alors que des fois, vraiment, je fais des cartes immondes et je me qualifie quand même, quoi. Et je suis en mode bon. Exactement. Bon. Dis-toi que quand tu te qualifies, alors que t'as fait des trucs immondes, bah normalement, tu passes pas. Oui, c'est ça. T'es en mode bon, bah là, c'est mort, quoi. Ouais. Bon. On va faire mieux. Et du coup, session entraînement aussi demain sur Apex. Ce serait cool. Il faudra aussi que je fasse une session sur Riders Republic aussi, très clairement. Bah après. Après, il y a un truc aussi que je disais, c'est que j'avais parlé avec Bernard. Après, c'est ta façon ou comment tu vas t'entraîner. Mais c'est vrai que te focus sur 2-3 jeux pendant plusieurs semaines, 2-3 semaines. Et après, te focus sur 2-3 autres jeux. C'est mieux que tout d'un coup, non? Enfin, je sais pas comment tu gères toi. Mais... Bah là, Elden Ring, ça sert à rien. Je vais attendre la règle du. Je vais, là, entre guillemets, Elden Ring, je le régule pas, mais je connais les mécaniques, tu vois. Oui, c'est bien. Et du coup, il faut qu'on attende juste maintenant la run parce que je sais pas quand il va l'annoncer. Mais. Il faut qu'on attende pour voir, parce que là, en vrai, il y a d'autres prios, je pense, à mon avis. Parce que là, la prio absolue, c'est Fall Guys, c'est ce qu'on s'était dit, quoi. Ouais. Fall Guys, puis après Apex et Riders, quoi. Ouais, Apex, faut qu'on ait. Du coup, il faudra qu'on voit si on peut prendre le coach dont tu nous parlais. Ah ouais, c'est bon. Il m'a dit, moi, il m'a dit que c'était bon. Nice, let's go. Il m'a dit trop quand bien. Il veut et tout, donc je peux lui demander quand il veut, quoi. Bah, demain, ça peut être cool. J'ai regardé un peu les. Enfin, l'outil, quand même, donnait des bons conseils assez intéressants, ouais. Tu vois, pour le coup, à la team de Ponce, c'était vraiment. Du coup, j'ai écouté d'une oreille quelques conseils et tout, tu vois. Déjà, genre le fait que, tu sais, nous on fightait toujours, mais jamais à couvert. Tu sais, on fightait tout le temps. Et là, en mode, il faut toujours être à couvert en perma. Et donc, bah, après, on aura plein d'autres conseils, donc ça va nous aider, mais. Parce que tu vois, je sais que, genre, Ponce, son équipe a pas des milliers d'heures et pourtant ils font des top 1, etc. Donc, je suis en mode, bon, nous aussi, on peut peut-être réussir à faire des trucs corrects. Et let's go. Des mauvais jeux. Non, j'ai raté. Dommage. Donc là, je peux. Ah ouais, là. Allez, fais-en. Merveilleux. Direct au qualifié. Le skin de moment est de toute beauté. C'est vrai que le skin de moment est quand même. Merci. Ah, c'est un skin qui a été travaillé, récupéré après des heures et des heures de jeu. Parce que toi, t'as combien d'heures de jeu au final sur Fall Guys? Oh, 2-3 heures. 2-3 heures au moins 2-3 heures, quoi. C'est quoi le jeu moment où tu t'as senti que t'étais vraiment le mec où t'étais le plus fort? Genre où tu t'es dit, c'est le niveau le plus élevé que j'ai eu, c'était sur ce jeu. Oula.
Sur Fall Guys Non, sur n'importe quel jeu. Ah, n'importe quel jeu. Ouais. Pouah, c'est compliqué, il y a eu plein de jeux où j'étais vraiment fort. À un moment, j'étais vraiment très très chaud sur CS. En fait, tous les jeux que je me suis mis à fond et que j'ai fait au moins 300-400 heures, j'ai le sentiment de faire partie des meilleurs, tu vois. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là, et dire quel est le jeu où j'étais vraiment le meilleur, c'est compliqué, quoi. Ou en tout cas, t'as kiffé être le meilleur. Genre, tu t'es dit, c'est vraiment lourd d'être bon sur ce jeu-là maintenant, à ce moment-là, tu vois. Je dirais H1Z1. Ah ouais, j'avoue, H1Z1, ouais, c'était de la frappe. À un moment, j'étais vraiment très chaud, je mettais que des têtes partout, c'était fou. Et la sensation de mettre des deux têtes. Ouais, sur H1Z1, c'était incroyable. Ouais. Le feedback des armes était fou. Quand tu mettais une tête, ça cliquait, ça teintait, c'était. T'entendais du casque pété, t'étais en mode casque. C'était trop stylé. Le crack. Et moi, comme je disais, justement, c'est sur H1Z1 que j'ai découvert Moment quand du coup t'avais eu l'histoire avec LDLC et tout ça, équipe LDLC, et que je te découvrais genre en mode. C'était pas avec LDLC à un moment donné sur H1Z1 oui, LDLC. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, exactement. Et où tu vas, ça, c'est le shot call quoi. J'étais en mode, putain, il est chaud le mec là, il dit plein de trucs. Parce que moi, connaissant Gotha, j'avais suivi le wagon train ancien joueur code qui écoute, qui regarde Gotha du coup jouer maintenant H1Z1. Qui faisait sa transition à ce moment-là, manette, clavier-souris. Et en fait, du coup, là, tu découvres un peu l'univers des mecs qui étaient sur... Qu'est-ce que je fais ? Oh, il est pas... Ok. Ah, mais putain, mais what the fuck ? Putain, mais comment on fait sur celui-là, là ? Putain, je suis débile. Je suis con. Je suis débile. Et toi, t'es où ? Mais en fait, je suis à la plateforme qui tourne, mais j'ai jamais fait ce niveau avec la plateforme qui tourne au milieu. En fait, tu dois être bien avec la vitesse, tu te mets bien à l'extérieur et tu sautes au moment ouais, où... Ouais, c'est ça, ok. Ouais. Bon, Inch'Allah, ça passe, hein. Pas sûr. Je suis resté bugué sur le niveau. Ok, bon là normalement ça n'a jamais passé, mais bon là ça passe. Ouais, c'est ça. Au tout début de SC2, il était top FR clairement. Ah oui, c'est vrai, t'as eu une grosse période SC2 oui, aussi. Partie, ouais. Top mondial même, tu peux dire. Mais top mondial, on peut le dire. On peut le dire, j'ai mal aux Coréens. Ah, j'en ai tabassé les petits Coréens, ouais, tout à fait. Quel boss. Et maintenant, dites-vous quelle vie il mène. Maintenant, il joue avec Berlu et Rivenzy pour la Zilan. La vie est quand même faite de surprises. Hein. La vie est quand même faite de surprises. Hein. T'imagines, tu tapes des Coréens et quelques années plus tard, tu vas t'essayer de sortir des poules avec Berlu et Rivenzy. Ah ouais. Ah, le choc. Ah, si on t'avait dit ça dans ta prime jeunesse. Aïe, aïe, aïe. Starting from the bottom, no here, hein, comme on dit, bien sûr. bien sûr. Pour le moment, c'est exactement ça. Oh, les cerceaux. Les cerceaux. Est-ce que pour les cerceaux, on est d'accord que le mieux, c'est de camper une zone ? Et savoir que... Non, je pense pas. Hein. Ouais. C'est dur de compliquer une zone parce que c'est que t'attends. Alors que des fois, tu vois des cercles, il faut bouger. On va dire bouger entre deux zones, on va dire. Voilà. Mmh. Ouais. Là où il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Et joyeux Hunger Games. Oh, j'ai raté. Oh oui, je l'ai eu. Incroyable. Ah, oh, j'ai raté celui-là. Putain, celui-là, il n'y en a pas ici, là, du tout. De ce côté-là. Ok. Énorme. Des fois, fais attention de pas trop focus sur les golds. Est-ce qu'ils sont trop dessus ou... Ouais, je focus pas trop les golds, je regarde un peu ceux qui sont dispo. Ouais, c'est qualifié haut. Bien joué haut. Qualifié haut.
c'est dur là, attends. Ah c'est bon. C'est good. Trop concentré Riven. Non mais en fait j'avoue que autant les parcours tu te dis c'est ok, mais des fois tu sais ça fait un peu paniquer les cerceaux parce que tu te dis putain faut qu'il y en a qui tombe maintenant là, vite 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 vite. Et puis plus tu vois les gens te qualifier, plus tu te dis putain je suis en retard, et du coup tu paniques et t'es en mode putain. Et des fois ça fait un peu tu te dis putain merde. Et bon. Là c'est bon, ça passe. Et il y a aussi les preuves que j'aime beaucoup aussi, c'est les 1v1 buzzer là, ça c'est cool. Quand t'as les buzzers qui s'allument au fur et à mesure là, c'est... Tu peux brain les mecs, essayer de gagner du temps, les forcer à bouger pour pas qu'ils enchaînent les buzz. C'est vraiment pas mal. C'est les seuls, le seul où vraiment t'es en 1v1 et c'est vraiment cool. Okay. Dans la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds, je me jette jamais. Alors après, au début tu peux... Au début je donne tout mais... Là moi je fais un plongeon là, un plongeon de 3 là, à chaque fois. Et après on voit si ça passe. Mais en gros j'ai réussi à faire que des plongeons jusqu'à la fin. C'est vraiment de la chatte hein. Ouais, j'ai déjà vu un mec faire ça aussi dans ma game et j'étais en mode quoi. Mais non, il faisait full diagonale et ça passait, ouais. J'étais en mode quoi. Regarde bien ça. Voilà, regarde. Hop les... Allez hop. C'est trop lent là, pas assez devant là, regardez-moi ça. Ok, c'était pas là. Voilà, maintenant, maintenant on fait attention de... On va faire attention maintenant. Allez, avancez les bouffons. Oh putain. Oh dommage. Ça fait mal. Après, on peut se faire aider pour aller à l'arrivée peut-être, non? Je vais tenter un truc, un move. Oh non, dommage. Voilà, faut arriver. Ah, t'as essayé de sauter sur le... Ouais. Ah, oh, je fais nimp. Oh non, mais... What the fuck, bro? What the fuck, bro? Oh putain. Quel enfer. Quel enfer, le passage au niveau du... Je me fais gêner, là. Allez, hop, je suis arrivé. Après y'a quoi? Oh mais je me fais pousser à chaque fois, c'est insupportable. Peut-être faut suivre le gros bidon et sauter quoi. Ok là s'il y en a un qui saute c'est... Je me demande si c'est pas tout droit. Et là mec, c'est maintenant qu'il faut y aller. Non, c'est pas... non, surtout pas. Ok, c'est peut-être tout droit. Hein. Yeah. Non, fais gaffe, fais gaffe. Oui. Attends, le problème c'est que je ne sais pas si c'est tout droit. Faut voir où ça tremble en fait. Attention. On va te poser. Il faut que tu regardes où ça tremble. Ah. Non, mais. Oh. Let's go. Oh, je suis allé tout non. Let's go. Oh la vache. T'en as eu des couilles. Hein. Ah, j'ai pris mes responsables. Non mais ça y allait pas aussi là. Ça y allait pas. Tu vois genre ça, ton move c'était tellement dangereux que tu peux la perdre. Ah ouais ouais, de fou c'est sûr. Mais j'étais en mode vas-y go, on l'attente. Couilles, quoi. On l'attente. Oh là là, la chatte qu'il a, la chatte. On l'a tenté. Ah quoique tu vois les mecs galèrent tellement à passer au niveau des rondins que au final tu peux presque la tenter mais bon. Là, en finale, tu fais pas ça. Hein. Oui, non, clairement pas. Je veux dire, en LAN. En LAN, je fais clairement. Non, en LAN, je mec, j'attends bien derrière tout le monde. De la réussite. Il en faut de la réussite. En fait, il faut vraiment suivre le rondin. Hein, pour, faut vraiment être sur la case. Oh, ouais. Oh non. Oh, là, ça... Ah, si, c'est qualifié, c'est bon. Non, quoique, non, il a pas réussi. Voilà, nice. Des mauvais jours. Et dur, ça doit rendre des rondins. Ouais, elle fait un peu péter un pont. Mais bon, ça va. Allez, la finale. The la finals. Finale peut-être. Ou peut-être un 4v4 foot. Hein. Ou 4v4 foot, ouais. C'est vrai qu'on a fait 4v4 foot tout à l'heure. C'est pas tout le temps, hein. 4v4 foot, j'ai dû faire une fois là. Ça peut arriver, hein. Oh, pour moi, c'est la pire finale qui existe au monde. Pulvérise les portes. Ah oui, non, celle-là. Oh non, elle est horrible. Ouais. Ah ouais, non, j'ai perdu tout à l'heure. J'étais en 1v1. On était deux dans la finale. Et vraiment. Ah ouais, ouais. Et en fait, bah, j'ai attendu. Le mec est parti sur une porte.
Il en a raté aucune après, j'étais en mode bah super. Eh bah super. Faut temporiser un peu quoi au final, mais... Au début faut un peu tempo. Après faut suivre. Oh là là, ouais. Ah, je suis dernier là. Ah, c'est au milieu. Non, c'était dans... putain. Aïe aïe aïe. C'est la fin de game. Ouais, il va tout droit, il va tout droit. Ah, tu, tu l'as pas eu. Oh non, dommage, je l'ai pas eu non plus. J'étais trop loin, j'étais trop loin. J'étais troisième, terrible, j'aurais dû y aller. Oh là là, j'aurais dû sauter sur l'autre. Non, j'étais si proche, et c'est le ninja qui gagne. Aïe 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 aïe, so close, j'aurais dû sauter sur l'autre. Dommage. Tout close, très très close, mais bon ça va. Je suis content d'avoir rattrapé le... retard. Je pense que j'aurais dû assurer et sauter sur l'autre tambour. Pas faire le trop le beau jeu là, assurer les trucs aussi. Et ça passait. Putain, j'avoue il est stylé ce skin rose des vents là. Putain, pas mal hein. C'est 5000 heures de jeu en même temps, tu m'étonnes qu'il puisse avoir des skins stylés. Non, j'ai 2-3 heures. 2-3 heures, pas plus en vrai. C'est pas... deux heures, c'est pas plus quoi. Alors c'est pas un ninja, c'est un samouraï, pardon, excusez-moi, c'est vrai, faut être précis. Non, c'est vrai que si on n'est pas précis, ça va être vite fatigant quoi. Mais Berlu, il a dit qu'il venait jouer là, il vient ou... Je sais pas quand il vient là. Putain, c'est fou, il essaie déjà de pas s'entraîner. Allô Berlu. Attends. Ça devient gênant. On s'entraîne aussi de notre côté sur Apex, hein. Je sais pas si ça doit être l'a dit, mais... Non. Tranquille, je suis en train de manger. Ah, ah ouais, bah, mec. Tu joues en même temps, en fait, c'est pas dur. Je regarde, mais je mange quoi. Ah, tu joues en mangeant en fait. Tu joues en mangeant. Allô. Je ne peux pas. Si, tu peux pas tout faire. Ça a mieux la grippe toi d'ailleurs ou pas là? La grippe. Nickel. Ok super. Nickel. Je suis content. Nickel, là, je l'ai eu pendant 4 heures là. Enfin, par contre, vous m'avez vraiment tué de rire les deux là avec votre doublage de la scène. De la scène. On aurait dû le faire avec toi, je pense, avec toi en tant que cadet. Oui, c'est vrai que ça serait marrant. La promotion, ta gueule, il est derrière la voiture. C'est tellement ça, on aurait dû faire avec. Oui, la promotion, ta gueule. C'est pas le bon moment. Ah là là, ça aurait été parfait quoi. Putain. Ouais. Ah, vraiment c'était excellent, si vous l'avez pas vu je vous invite à aller sur le Twitter de moment. Ah c'était vraiment très... Non, mais la vidéo est hallucinante quand même. La vidéo de base, je suis un dirait vraiment j'étais RP. Mec en fait si vous avez pas vu la vidéo... Ils font vraiment du loose RP, c'est bien ça. Mais c'est incroyable. Alors pour ceux qui ont pas vu la vidéo, c'est des flics qui coursent un gars. Et le gars, en gros, on a une vue depuis un hélicoptère parce qu'ils font ça aux US là, ils ont carrément caméra sur les hélicos. Et en gros, y a un mec qui se cache juste derrière une voiture. T'as 5 flics qui passent à côté de la voiture sans regarder à côté. Et le mec est à côté, il reste au moins une minute comme ça caché dans la voiture et aucun flic le voit en mode putain, mais il a disparu quoi, c'est fou. Et c'est. Ça me termine de rire. Il faut plus aller sur les côtés sur cette map ou au milieu? Milieu. Milieu. Mais un saut. En fait, si tu sautes, tu iras plus vite. T'es dans une pente. Ouais. Quand t'es dans l'eau, faut sauter aussi tout le temps. Ok. Tu iras plus vite. T'as un moment qui est déjà loin devant, regardez. Ok. Y'a les rien là. Putain, mais les balles quoi. Hop, qualifié. On y est déjà là. Putain, je suis à la bourre. Il est arrivé 30 secondes avant tout le monde. Qualifié aussi. Oui. C'est ça que je veux voir. Ouais. Le tiroir à pisse en mode gamer, soit tout ça, bien sûr. Donc, le tiroir à pisse. Est-ce que quelqu'un a des tiroirs à pisse ici, bien sûr? Hein? Le tiroir à pisse pour pas avoir besoin de te lever pour aller pour aller aux toilettes quoi. Ah mais moi j'ai ma petite bouteille moi. Le bidon. Ouais. Ah ouais. Oh la Dream Team. Avec Berlu là ça va être grandiose. Hein? Il mange quoi Berlu là? Il se fait un petit ravioli en boîte hein? Petite calzone là. Oh petite calzone, ok super. Et tu te fais livrer comme ça ou tu dois aller la chercher?
Ben là, bah en fait, je vais me faire à manger. Mais j'ai des partenaires d'équipe qui ont voulu jouer à Fall Guys ce soir. Du coup, ben, livraison express, quoi, tu vois. Ok, mais en fait, je savais pas si tu te faisais livrer dans là où t'habites. Ah, si, si, j'ai Uber Eats depuis un an. D'accord, ça va faire un an. Dans le truc du monde, quand même, hein. C'est beau. Bah ouais. Il y a un livreur, c'est le gars qui fait toutes les livraisons. Il a le monopole. Ils sont deux. En vrai, ça va, ils se partagent le marché. Tu vois, en vrai, deux. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui commandent, c'est ok. C'est un peu juste des fois quand même. Hein. Ils ont le monopole. Je t'avoue que des fois, faut attendre son téléphone et réactualiser toutes les secondes pour sauter sur la commande. Quoi. Savoir s'il y en a un qui est dispo. Non, mais c'est vrai. Mais s'il y en a un troisième agent de dispo, c'est insane. Le mec rentre dans la danse et. Ouais. Putain, j'ai jamais fait ce niveau. Putain, on découvre des choses quand même. Ok, bon c'est... Oui. Putain, je suis pas tombé encore. Putain, c'est fini. Oh, il se fait que je dis ça. C'est fou. Donc là... Là... Putain, je... Je vais faire tomber tout le monde, tiens. Et là, il y a un truc là. Ok, sauter là. Ouf, ce fut dur. Ce fut dur ce niveau. Mais c'est la première fois que je le faisais. Putain, ça tourne. En permanence. On les fait tomber une dizaine, quoi. On a fait tomber une dizaine, le mec. Ouais. Juste là pour faire tomber tout le monde. Il ouais, pète un plomb. Que tu te qualifies, sinon c'était la merde, hein. Ah ouais? Oh, quel boss. Ah, t'es qualifié 28ème, hein. 26ème? 26? Ouais. Mais oui, donc si t'en as éliminé au moins 10, c'est parfait. Il est sur les arrières, c'est bien. La diagonale du vide. Non, mais après, pour Berlu, non, c'est pas la diagonale du vide. C'est quand même dans un endroit... Un petit peu quand même. Hein. Un petit peu quand même. Ouais. Un petit peu la diagonale du vide. La diagonale du vide. Est-ce que Fall Guys, encore le problème de cheat qu'il y avait au début? Non. Non, je crois pas. Hein. Non. Je pense pas. C'est fini ça. C'est fini cette époque. Par contre, il y a des bugs dans les lobbies privés. C'est le souci pour l'instant. C'est un petit peu notre némésis. On espère qu'il y aura pas ce genre de problème. Parce que si ça coupe. Si en LAN, si à la ZLAN, on a un problème de lobby et que ça remake pas, je pense que Moment va avoir envie de casser des tables. Oh, ça me dit arrivé. Hein. Voilà, là, ici, voilà, tu suis le gros truc rose. Pour jamais, en fait, avoir le... Ouais, en fait, c'est comme ça. Et après, quand tu vois que le verre va arriver, voilà. Comme ça, au moins, tu sautes beaucoup moins de fois. Et au moins, t'as pas les deux en même temps, quoi. Ouais. C'est souvent le piège, hein, finalement, dans ce jeu, c'est d'avoir les deux barres en même temps. Attends qu'il arrive et... Et là, voilà, tu te retournes et tu sautes. Hop. Là, et là, tu suis le deuxième. Et voilà, finalement, c'est voilà. Comme une lettre à la poste. Voilà. Hop là. Tu fais la même, tu attends l'autre pour le deuxième, et tu fais toujours ça. Et en faisant ça, bah, tu peux jamais rater, quoi. Jamais, jamais. Voilà.